Et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc là, c'est le vlog numéro 4. Et normalement, c'est censé être le dernier vlog. Manu parle ce soir pour parler pour le confinement. Et j'espère de tout cœur que ça sera la fin du confinement parce que j'en ai marre. Donc, je croise fort les doigts et on va bien voir ce qu'il va annoncer. Concernant le programme de la semaine, j'ai déjà plusieurs looks de maquillage à faire parce que c'est la semaine finale de mon Sunday of Makeup Challenge. C'est l'ultime course. Donc cette semaine, j'ai envie de sortir des looks ouf de chez ouf. Pour ça, j'ai déjà commencé à réfléchir à des idées de dessin. J'ai fait ça dans la nuit de dimanche à lundi. J'ai pu planifier 4 idées, donc il va juste falloir que je les fasse. Hier, j'ai déjà réalisé une idée. Et ça rend quand même plutôt pas mal bien. Je suis plutôt fière de moi. Après, là, les autres idées, c'est des looks beaucoup plus conséquents, surtout. Surtout un, on va dire, un look dragon. Où là, je vais passer beaucoup, beaucoup de temps. Donc il faut que je me prépare, il faut que je puisse dégager pas mal de temps pour pouvoir le faire. Pour ça, il faut que j'anticipe. J'ai trop hâte de le faire, mais en même temps, je redoute beaucoup. Et il va peut-être falloir que je m'entraîne un peu pour faire les écailles. Maintenant que j'ai préparé mes petites oreilles, je vais commencer le maquillage. Alors, je sais pas dans quoi je suis partie, mais j'y suis partie. Là, c'est de la totale improvisation. On va bien voir ce que ça va rendre. Regardez déjà le maquillage sans les accessoires, comment ça rend trop bien. Je suis déjà trop contente de moi. J'ai trop hâte de mettre la perruque, les fausses oreilles et tout. Ça va être trop stylé. J'ai oublié de vous montrer le résultat final ici. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée parce que ça rendait beaucoup trop bien. Et ça rend trop trop bien. Je suis trop contente. Trop fière de moi. Et les sourcils comme ça. C'est trop stylé, je suis à deux doigts de me raser les sourcils pour pouvoir me faire des sourcils comme ça. Quand t'es grande, enfin donc, tous les commerces pourront rouvrir, mais dans le cadre d'un protocole sanitaire strict qui a été négocié avec l'ensemble des... Bon, c'est officiellement la dernière semaine des vlogs confinement. Je suis trop contente. Je vais pouvoir recommencer à travailler. Et rien que ça, ça me fait trop plaisir. Dans mes prochains jours, il va falloir que je retravaille ma communication pour dire que, hey,
je suis de nouveau de retour sur le marché, que je mette en place plusieurs forfaits parce que là ça va être les fêtes. J'ai trop hâte. Et sinon, je vous dis un truc. J'ai une réelle addiction pour le chocolat, c'est insupportable. Par exemple, ça fait 2-3 jours que j'ai pas mangé de chocolat. Et en fait, tous les soirs, je me sentais pas bien parce que j'avais pas eu ma dose de chocolat. Il me manquait un truc, il me manquait mon chocolat. Parce que j'essaie de manger un peu plus équilibré, on va dire. Fait de moins grignoter. Et tout le temps, il me manquait ma dose de chocolat parce que j'avais pas de chocolat à disposition. Et j'étais trop triste. Genre, en fait, c'est pas que j'étais triste, mais genre, j'étais pas bien. Tout ça à cause du chocolat. Je sais pas si vous aussi c'est ça, mais c'est horrible d'avoir, on dirait, une addiction comme ça. Nouvelle journée dans ce vlog. Donc là, on est jeudi. Hier, j'ai pas du tout filmé parce que hier, j'étais faire des vidéos pour mon beau-père parce qu'il avait besoin de vidéos. Après, il va falloir que je fasse le montage de ces vidéos-là. Et pour l'instant, je suis en train de me faire à manger. Et je vais me faire des épines, un gratin d'épinards pâtes aux chèvres. Que ça peut être grave bon. Je teste des petits trucs. Parce que j'avais vu dans des vidéos YouTube, je crois qu'il y en avait qui avaient fait ça. Donc je fais au feeling. Je verrai bien ce que ça va rendre. C'est un petit crash test. Hein. Pour ça, d'abord, je fais cuire des pâtes. Donc là, c'est des penne. Et là, je suis venue mettre des épinards surgelés. Donc je sais pas trop la quantité, si ça réduit ou pas. Donc en plus, je sais même pas si j'aime les épinards. Donc c'est vraiment un crash test total. Donc là, les épinards, j'attends qu'ils chauffent. Et après, je viendrai rajouter du chèvre. J'ai mis à gratiner. Ça m'a l'air fort pas mal quand même. Et je me fais chauffer du poulet pour aller avec. Voici mon gratin. Ça a l'air franchement plutôt pas mal. Alors, j'ai mangé mon plat. Et en fait, les épinards, c'est grave bon. Genre, je pensais que c'était vraiment pas ouf. Et j'ai plutôt bien aimé. Il y avait quelques trucs qui allaient pas un peu, genre c'était un peu sec. J'ai pas mis assez d'épinards parce qu'en fait dans la poêle je pensais que ça allait le faire, mais pas du tout. Mais maintenant que j'ai visualisé, je vais pouvoir m'améliorer. J'ai trop hâte d'en refaire, mais en tout cas demain je vais en refaire parce qu'il me reste des pâtes. Donc je vais en refaire je pense. Concernant le programme d'aujourd'hui, déjà j'ai reçu mon trépied, je suis trop contente. De base il aurait dû arriver dans une semaine et je l'ai déjà eu. Donc ça, ça fait plaisir, je vais pouvoir tourner quelques vidéos face cam. Parce que bien sûr je vais reprendre deux types de vidéos. Et en plus j'ai eu plein d'idées de vidéos donc je vais les faire d'ici la semaine prochaine. Dans l'immédiat, faut que je monte la vidéo pour mon beau-père. Et je ne pense pas que je vais pouvoir me maquiller aujourd'hui, je n'aurai certainement pas le temps. Parce que la vidéo est plutôt urgente, donc je vais faire ça au plus vite. Et surtout qu'après moi j'ai mon montage à faire pour mon vlog parce que bien sûr j'ai encore perdu mes fichiers. C'est pour ça que hier j'ai rien fait. Parce que hier j'étais vraiment démotivée parce que c'était mardi soir. J'avais bien avancé dans mon montage. J'avais peut-être fait la moitié quoi. Et bye bye, tout s'est supprimé. Bon, bref, j'arrête de me plaindre. Je vais me remettre en marche. On va dire que c'est un signe pour que je m'améliore encore plus. C'est qu'en fait, je déteste reproduire deux fois la même tâche. C'est répétitif, ça me saoule. Regardez comment c'est long une image. Ils me disent qu'il reste 15 minutes. Hey! À défaut de pouvoir commencer à faire le montage de ma vidéo, je vais vous montrer ma recette de mousse au chocolat parce que je vais faire une mousse au chocolat. Donc la première étape quand on cuisine, c'est de s'attacher les cheveux et après c'est de se laver les mains. C'est tellement rapide de faire de la mousse au chocolat que vous allez voir, alors vous n'allez pas en revenir. Alors, ce que je commence à faire, c'est du chocolat comme ça, 200 g, il faut 6 œufs, 2 sachets de sucre vanillé et c'est tout. Donc je vais faire fondre ce chocolat au micro-ondes. J'ai placé mon chocolat et dedans je mets toujours un peu de beurre et un fond d'eau pour le placer au micro-ondes. Le temps que ça chauffe, je vais casser mes œufs et je vais séparer les blancs des jaunes. Je viens ajouter 2 sachets de sucre vanillé. Et d'abord, je vais venir monter les blancs en neige avec un batteur. J'ai oublié une étape primordiale, c'est de mettre une pincée de sel. Parce que rajouter du sel, ça va permettre aux blancs de beaucoup mieux monter. Les blancs sont maintenant bien montés. Et avec le batteur, je vais venir battre le sucre et le jaune d'œuf. Le chocolat a fini de fondre, donc maintenant je le mélange bien. Et je viens l'incorporer au jaune d'œuf. Et je viens mélanger tout ça. Maintenant que c'est terminé, je viens incorporer le chocolat au blanc.
à l'aide d'une marise. Et bien sûr, il ne faut pas casser les blancs. Maintenant que j'ai terminé la mousse au chocolat, je vais la mettre au frais toute l'après-midi. Et pour ce soir, elle sera bien fraîche. J'espère que ce moment cuisine vous a plu. Moi, j'ai adoré le faire. Hello! Regardez comment c'est trop bien d'avoir un trépied. Je suis trop contente. Alors, quand vous connaissez ce cadrage, vous savez très bien ce que ça veut dire. C'est que je vais faire un nouveau maquillage. Je suis accompagnée de mon meilleur Coca Chéri pour faire un look avec du violet, évidemment. Concernant le maquillage que je compte faire aujourd'hui, je compte faire du glam avec un ras de cils violet, comme je vous en avais parlé dans un vlog la semaine dernière, il me semble. Je suis pas très active dans ce vlog, mais c'est qu'en fait, depuis que je sais qu'il y a le déconfinement et que je vais pouvoir recommencer à travailler, déjà je suis super stressée parce que j'ai peur de ne pas avoir travail, de louper le coche. Et ensuite aussi, c'est que ouais, ça me fait plein de stress. J'ai plein de trucs à gérer, mais ça va bien se passer. Et aujourd'hui, on se make-up. Je ne vais pas filmer le processus pour la vidéo parce qu'en fait, je vais faire un tuto sur TikTok et ça serait très répétitif. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de faire un tuto sur TikTok, donc il n'y aura pas le tuto dans cette vidéo YouTube. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, mais n'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok. C'est Claire Make-up, comme ma chaîne YouTube, comme tout. Sur ce, je peux commencer le make-up. Voici mon maquillage final et ça rend trop bien. Je suis trop contente de moi. Genre, je voulais du soft glam. Vous voyez l'idée que j'avais eue là de faire un ras de cils violet avec un côté naturel sur le dessus? Et ben ça rend trop bien. Je suis trop contente, trop fière, trop contente d'être heureuse. Dites-moi ce que vous en pensez. Dernier jour dans ce vlog parce qu'on est samedi et que demain, bonne nouvelle, je travaille. Alors là, je suis grave fatiguée parce qu'en fait j'essaie de me lever de manière à être fatiguée pour ce soir, essayer de me coucher tôt parce que j'ai actuellement un rythme horrible. Je peux me coucher à 2-3 heures du matin pour me lever à 10-11 heures. Et c'est vraiment pas possible parce que demain, il faut que je me lève à 7 heures. Au programme de la journée, il faut que je prépare tout mon kit, que je désinfecte tous mes produits, que je fasse tout mon kit et tout. Donc, il y a du courage. Il y a du travail, pareil, il faut que je m'enlève mes ongles, que je les remette, que je me lave les cheveux, que je refasse toute une remise en forme et j'essaie de faire un maquillage, sachant que j'ai mon montage à faire, ça va le faire. Bon, je suis en train de faire le montage de la vidéo et je suis crevée, je n'en peux strictement plus. J'ai trop hâte qu'elle soit publiée parce que j'ai eu trop de galères avec cette vidéo. Et j'espère de tout cœur que ça va vous plaire et que cette série de vlogs confinement vous ont plu. Moi, j'ai adoré les faire et c'est le principal. J'ai officiellement terminé mon vlog numéro 3. Yes! Yes, yes, yes. Et il est 18h et j'ai encore plein de trucs à faire. Alors ce que je vais faire à mes ongles, c'est que je vais les couper parce que j'aime pas avoir les ongles trop longs. Et je trouve qu'en tant que maquilleuse, avoir les ongles trop longs, c'est crado parce qu'on touche le visage des modèles, on touche nos produits et tout. Et en fait, sous les ongles, il y a souvent pas mal de saleté. Donc je préfère tout bien épurer et couper assez court qu'avoir des ongles trop longs. Parce que même si on met du gel, même si on se désinfecte les mains et qu'on se les lave, je trouve qu'il y aura tout le temps des petits trucs sous les ongles. Donc je préfère faire attention et être très accrue avec l'hygiène. C'est mon opinion personnelle. Après, il y a plein de make-up artistes qui maquillent avec des faux ongles et tout. C'est leur souci. Après, vous faites la vie que vous voulez. Donc, pour l'instant, je lime. Après, je vais mettre du dissolvant. Maintenant, je passe à l'étape de je dois préparer mon kit pour demain. Donc, je vais désinfecter tous mes produits. Hello, on est dimanche, c'est le dernier jour de ce vlog et comme vous pouvez le voir, je suis à la gare, je suis apprêtée pour aller travailler
parce qu'aujourd'hui je travaille, j'ai eu la chance d'avoir du travail dès le deuxième jour du déconfinement. Et sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi pendant ce mois de vlog confinement. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a diverti, j'espère que ça vous a bien occupé, que vous avez eu votre dose de maquillage. Et comme j'ai repris le bain de faire des vidéos, j'ai encore plein d'idées et plein de vidéos à sortir. Donc soyez attentifs, tous les vendredis, normalement à 18h, une nouvelle vidéo chaque semaine. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!